tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous filmer la vidéo des collages terminés de juillet et août 2022. J'ai réuni donc les 2 mois parce que j'ai pas énormément colorié, même sur les 2 mois. Heureusement que je suis en vacances depuis le 21 août. Du coup, j'ai pu rattraper un petit peu mon retard parce que franchement, j'ai pas colo énorme sur ces 2 mois. Bref, par contre, je suis plutôt contente parce que j'ai fait quelques colos pour le pack pack-up. Je pense que je peux arriver à faire les 12 colos parce que j'ai réuni plusieurs catégories ensemble pour gagner du temps parce que c'est vraiment compliqué vu que pendant ces 2 mois, j'ai pas énormément colorié. Bref, et puis j'ai commencé un nouveau livre. Et puis, je suis allée dans 2 livres où je vais très rarement. Donc ça m'a fait super plaisir. Comme d'habitude, il y a pas mal de Kirby et de Anna Carlson. Oui. Et puis, voilà. Bref, on va commencer. Alors, ils sont pas forcément dans l'ordre. J'ai plus rangé par illustrateur que par... je vais y arriver. Que par colo, hein. Je vous dirai quand je les ai fait. Bref, donc on va commencer par celui-ci. Donc je l'ai enfin commencé. Ça fait longtemps que je voulais colorier dedans, mais j'avais pas forcément envie. J'avais envie de le commencer, mais pas forcément envie de faire que des portraits comme ça. Bref, donc là je l'ai commencé. Vous avez dû le voir dans ma vidéo tag Color and Chat, je crois. Oui. Donc c'est ce colo-ci, donc je l'ai réalisé pour un duo qui, je ne sais pas s'il va se faire ou pas, mais c'est pas grave, au moins j'ai commencé ce livre. En fait on ne devait pas faire le même colo, mais on devait faire le même personnage. En fait l'idée c'était de partir sur Maléfique. Donc j'ai utilisé le code couleur de Maléfique et j'avais choisi cette illustration parce qu'il y avait l'oiseau déjà et il y avait cette histoire de ronce. C'est vrai qu'on en voit pas mal dans le film. Donc je me suis basée sur une image de Pinterest pour l'esprit fourré qui avait. Ensuite j'ai fait des points de lumière pour rappeler son sceptre de Maléfique. Qu'est-ce que je peux dire, voilà. Donc après j'ai fait tous les rajouts là de ronces qu'il y avait. Il n'y avait que les ronces qui sont dans les cheveux. J'ai utilisé luminance pour la peau, poli et light fast. Pour le fond, j'ai fait d'abord un fond vert à l'aquarelle et ensuite je suis passée avec un pinceau aquarelle pour faire tous les petits ronces, et puis après je les ai un petit peu retravaillés, un petit peu au crayon. J'ai utilisé aussi du drawing pour tout ce qui est côté les os de l'oiseau là et tout ce qui est les ronces. J'ai également utilisé du Lumocolor pour faire des rappels de lumière pour que ça ressorte un peu mieux, le Lumocolor jaune, et du Posca jaune. J'ai un petit peu mis des petits points sur les petites boules là, pour que ça fasse encore plus lumineux. Donc je suis plutôt contente. Après ça reste un petit peu grayscale, et Anastasia et l'école d'arrivée, les ombres y sont. Donc en vrai c'est pas hyper compliqué, mais c'est beaucoup plus fin que du Mario Labudec en termes de détails. Mais surtout ce visage était plutôt petit. Moi je suis habituée à faire des portraits beaucoup plus gros en général. Mais ça a été plutôt rapide malgré que j'ai pas eu trop le temps de colo. Ben, celui-là m'a pas pris énormément de temps. Donc très contente. J'aime bien ce genre de duo où en fait on se prend moins la tête à chercher un colo qui peut plaire l'une à l'autre. On part sur un thème et c'était la première fois que je le faisais. Ben, franchement j'aime bien. Donc ravie d'avoir pu commencer enfin ce livre. Est-ce qu'il fait partie du pack au backup? Non, pas du tout. Je regardais au cas où si rentré dans une catégorie. Ensuite, je suis allée bien sûr dans mon Mythomorphia. Alors j'ai réalisé
une double page et une page simple. Donc déjà la page simple, j'ai fait celle-ci. Qui d'ailleurs c'est un petit peu abîmé parce que vous voyez, il y a la couverture qui est comme ça. Donc en fait, elle se pose dessus. Et comme le papier, ben, il a pris un petit peu. Il a pris un petit peu quand même. Ça fait une rainure en fait. Qui n'était pas à la base. Hein. Elle n'était pas du tout. Je ne sais pas si vous le voyez. Si vous le voyez. Vous voyez qu'il y a une rainure là. Sur la photo, en tout cas sur Insta, on le voit très très bien. Bon, celui-là, je l'ai réalisé en juillet. Je ne me suis vraiment pas pris la tête. Je vous avais tourné le fond en tuto, mais la qualité d'image était très mauvaise. Et puis, il n'y avait pas grand-chose à rajouter. Je referai un fond comme ça, peut-être en tuto, mais un petit peu mieux réalisé. Donc, en fait, j'ai utilisé mes... Mon matériel, la décorue, là. Comment ça s'appelle? Oui, c'est ça, c'est fabriqué à décorue. Est-ce que j'en ai ici? Je les ai mis. Hop. Oui, c'est ça. C'est cette poudre, hop, que j'avais acheté quand j'avais fait un haul de chez... comment ça s'appelle? Oh, Craftelier. Donc, en fait, c'est une poudre un petit peu comme le brochot. Où il y a deux couleurs, donc en fait il y a le côté turquoise et on peut faire ressortir des pigments un peu plus bleutés. Voilà, il y a des nuances dans le bleu et il y a un côté doré. Mais moi j'ai rajouté en plus de ça mon encre Winsor & Newton, je crois, et j'ai rajouté également mon encre turquoise. J'ai une encre pailletée turquoise, donc j'ai rajouté les deux. Après j'ai fait un effet or, mais franchement je me suis vraiment pas pris la tête. Franchement, c'est un effet, elle n'est pas terrible. Hein. Mais je sais que je l'ai à le faire, en fait. Je dois le refaire, je pense, le mois prochain. Je vais peut-être essayer de le faire. Je vais voir avec Lydie. Bon, on a celui-là à faire. Donc, j'avais pas envie de me prendre la tête pour celui-là. Parce que je sais que c'est un de mes derniers colos à faire. Donc, faire deux fois le même colo, je suis partie sur un truc complètement féerique, entre guillemets. Après, j'ai rajouté du stickles doré, j'ai rajouté des petits points, j'ai rajouté du Posca. Là, j'avais mis de l'aquarelle dorée parce qu'à la fin, j'en avais marre de faire l'effet doré. Mais franchement, non, il n'est pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, dans Mythomorphia, ce mois-ci, j'aime pas ce que j'ai fait. Donc, vraiment comme ça, c'est clair. Il est où le deuxième que j'ai fait? Elle est là. Je fais un colo que je n'aimais pas du tout dans ce livre, c'est celui-là. Donc c'est le coq. Alors déjà, j'aime pas le dessin de base. J'aimais bien mon coq à la base, tout ça et tout. J'aimais bien, c'est mes couleurs, ok. Et j'ai voulu faire les aurores boréales. Alors, en fait, j'avais vu un mec qui faisait sur Insta, il faisait avec la peinture à l'huile, je pense. Et puis, avec un pinceau, il badigeonnait, puis ça fait l'effet féerique. L'effet aurore boréale. Moi, j'ai voulu partir sur ça. Donc, j'avais fait un fond à l'aquarelle. Je m'étais bien appliquée à faire mon fond bleu, très foncé. Ensuite, j'ai pris ma peinture une fois que tout était sec et j'ai voulu faire cette technique. Sauf que c'est très difficile à faire. En tout cas, j'ai pas réussi. Ensuite, j'ai dit, je vais repasser avec du crayon pastel sec. Mais... ça n'allait pas du tout, ça ressortait pas sur mon fond, en tout cas j'aimais pas. Donc j'ai dit bon, arrête de te prendre la tête, tu passes tout à l'acrylique. Donc j'ai refait tout mon fond à l'acrylique. J'avais fait tout le fond noir et j'ai dit ben, avec le pastel sec, je vais pouvoir faire mon aurore boréale. Sauf que franchement, ça donne pas un truc trop beau. Hein, je sais, il n'est pas. Mon aurore boréale, elle est pourrie, mais bon, moi. J'aurais tenté quelque chose. Vraiment, c'est pas mon truc. Faudra que je retente. Après, j'ai rajouté des paillettes pour faire... voilà. À la limite, le côté pailleté est pas mal. Mais l'aurore boréale, vraiment... c'est cracra, cracra. Donc, un peu dégoûtée parce que j'aimais bien mon oiseau. J'ai utilisé Non, pas les prismes. Pareil, j'ai utilisé les light fast. Oui, j'ai utilisé mes light fast là-dessus. Puis j'ai fait tout pareil. Franchement, c'est tout le même combo. Sauf que là, il y a beaucoup de noir, de drawing noir et de polychromos noir. Et là, il y a beaucoup de blanc. Mais sinon, c'est exactement le même combo.
partout. C'était au mois d'août, mais c'était avant le 15 août, donc encore le gros de la saison. Donc je voulais le faire, mais en même temps j'étais fracassée parce que les filles, elles les ont fait. Je l'ai fait d'ailleurs en duo avec Alia et Ludinico. Alia, elle a fait une super version, j'aime beaucoup. Elle s'est basée sur la page du dernier Camilla Derico, je crois. Et je l'aime beaucoup. Mais je vous dis, mon quoi que je l'aimais bien à la base, mais après j'ai pris de l'argent, j'ai mis de l'argent, je me suis pas. Vraiment, à la fin, j'étais tellement dégoûtée par mon fond, en fait. Et puis à la fin, j'ai bâclé parce qu'il me saoulait. Mais bon, il me reste 4 doubles pages et 2 pages simples. Et il sera terminé. Donc, je pourrais enfin passer au nouveau Kirby. Donc, ça fait super plaisir. À part ça, voilà. Ensuite, je suis retournée dans ce livre. Alors, ça faisait, je sais pas, peut-être pas un an, mais pas loin. Là, je crois que le dernier que j'avais fait, c'était pour le colorier ensemble avec Zazou, qu'elle avait fait le papillon. Je crois que c'était la dernière fois que j'y suis retournée. Donc là, c'est en duo avec. Je vais arriver avec Claire Blériot. Donc en fait, elle m'a proposé un Kirby. Moi, j'ai dit pourquoi pas le Fragiloid parce que ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Elle m'a sélectionné plusieurs colos et j'ai choisi les requins. J'avais envie de faire du sous-marin en fait. Donc j'ai fait ce colo qui vous a énormément, énormément, énormément plu sur Insta et je vous en remercie. Je ne pensais pas qu'il allait avoir un accueil à ce point. Avoir un accueil comme ça. Voilà, j'y arrivais. Alors, pour les requins, je me suis basée sur des images Google. J'avais ce requin avec un fond un petit peu comme ça. Il était très, 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 très sombre. Et j'avais ce requin-là, donc avec exactement la même posture en image Google, mais très lumineux, qui était couleur. On va dire crème, gris crème, la vraie couleur des requins. Mais moi, là, comme ils sont dans le fond, il fallait qu'ils soient noirs. Sauf que celui-là était vraiment dans un fond marin, donc il était très, très, très noir. Et celui-là, il était très clair par rapport à lui. Même si je me suis adaptée, ça n'allait pas. Donc en fait, celui-là, je l'ai éclairci après. Mais vraiment, j'ai mis beaucoup, beaucoup de couches de crayon. Donc en fait, ce papier, il est vachement fin. Mais il supporte bien les couches de crayon. L'aquarelle, il fait des taches, il n'est pas terrible. Mais au niveau du crayon, ça va. Donc là, j'avais fait en premier, je me suis énormément appliquée. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'aime un peu moins celui-là. Parce que, en fait, comme ils sont dans l'eau et qu'il ouvre la bouche, normalement, bon, dans le requin, c'est pas bleu, hein. Mais comme il est dans l'eau, bah, ça ressort bleu. Mais ça devrait pas être tout à fait comme ça. Mais bon. Je l'aime bien quand même, donc je l'ai réalisé avec vraiment toutes mes gammes de crayons. Je crois que j'ai même mis l'Arteza alors que je les aime pas, mais il y avait un Arteza dedans. Le fond est à l'aquarelle, il m'a pris beaucoup de temps. Je l'ai fait sur 3 couches parce que je vous dis, le papier il l'aime pas du tout, donc je voulais pas que ça tache mes couleurs à l'autre côté. Donc j'y suis allée vraiment couche par couche. Le fond a été très long parce qu'il fallait pas que j'aille sur les poissons, et il y en a énormément comme vous voyez. Donc ça, c'était galère. Ensuite, les poissons, j'ai fait une base au Derwent Intense. Je suis venue les retravailler avec mon polychromos noir et mon drawing blanc. Parce que j'ai rajouté aussi des petits poissons. Je sais que Kirby, il dessine des petites silhouettes des fois de poissons noirs. Mais j'en ai rajouté pour que ça fasse vraiment en plus un bon poisson, quoi. Il y en a beaucoup, mais normalement, il y en a encore plus, quoi. Donc j'en ai rajouté là des petits poissons. Et après je suis repassée avec mon aquarelle interférence bleue pour faire, voyez, les écailles de poissons qui brillent. Parce que les poissons, dans les bancs de poissons, ça fait tout brillant quand on voit dans les reportages et tout. Donc j'ai voulu refaire ça. Donc du coup j'ai remis sur tous mes poissons une fois que c'était terminé de l'interférence bleue. Voilà. Mais vraiment, ils m'ont saoulé. Hein. Je vous le dis, je l'ai fait, mais ils m'ont un peu saoulé, ces poissons. Autant les requins, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, mais alors les poissons. Voilà. Pour ce qui est de la loutre, je crois que c'est une loutre, j'ai fait pareil au Intense, parce que c'était le dernier élément à faire. J'avais pas envie de prendre la tête. Donc je l'ai fait au Intense, j'ai mélangé des gris bleutés et des marrons. Et j'ai retravaillé au polychromos. Et là, je vais travailler ça avec de l'acrylique blanche pour faire l'effet écume. Et après, j'ai rajouté un petit peu des points blancs, bien que je trouve qu'il manque un petit peu des bulles sur ce côté-là par rapport à celui-là.
Ouais, je devrais en rajouter un petit peu ici. Mais globalement, j'ai apprécié faire les requins, mais alors les petits poissons. Au moins, j'aurais fait deux pages un petit peu. Un peu saoulante. Voilà. Donc, très contente d'y être retournée et j'ai bien envie d'en refaire un de temps en temps parce que c'est vrai que j'y vais pas suffisamment souvent puisque je suis sur le Mythomorphia. Mais j'aime bien de temps en temps. C'est très réaliste, mais ça change. Ensuite, je suis également retournée dans ce livre. Alors, j'y étais pas retournée depuis. Depuis quand j'étais pas retournée? Depuis un très moment. Un très long moment que j'étais pas retournée. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que les requins, c'était pour les animaux qu'on ne trouve pas ici dans la catégorie de Audrey. Les requins blancs, il n'y en a pas trop ici, quoi. Voilà, bref, je disais, pour le épaule, ouais, ça faisait très très longtemps, je n'étais pas retournée, j'avais fait qu'un colo à l'intérieur. J'avais bien aimé, j'avais fait un colo à l'aquarelle, là j'ai fait tout au. C'est pas celui-là, ça c'est le premier que j'avais fait. Là j'ai tout fait au crayon de couleur pratiquement. Attendez, il est où? Il est là. Voilà, mais je vous l'avais vu normalement dans ma vidéo haul parce que je vous montre que j'ai utilisé mon pochoir. Donc pour ce colo, j'ai utilisé les polychromos pour les cheveux, luminance pour la peau. Et pour tout ce qui est orange et orange, c'est. C'est des light fast et luminance. Le blanc crème, là j'ai utilisé les crèmes de chez Prisma. Là c'est des genre les capotes Mortum, vous voyez, de chez Polychromos. Et pour le jean, j'ai utilisé les drawings bleu et écrit. Je fais un mélange. En fait, je me suis complètement basée sur l'image de référence qui est ici. C'est exactement pareil. Il y a juste le fond. Donc j'ai fait l'effet vieilli. Donc j'ai utilisé mes encres Distress pour l'effet vieilli. Et après je suis repassée avec le pochoir et j'ai mis de la peinture dorée et j'ai passé la spatule pour le faire. Donc en fait ça fait vraiment un effet de texture. J'aime beaucoup beaucoup. J'aime beaucoup. Et j'ai utilisé ma peinture dorée PBO. Le seul truc c'est que comme il y a un élément au milieu et que j'ai posé le pochoir. En fait, je pensais qu'en mettant la peinture et en l'enlevant, ça irait. Mais comme on met la spatule et qu'on met une couche très fine de peinture, elle sèche très vite. Donc dans les cheveux, peut-être que vous le voyez, mais en fait, il y a encore des écritures que j'ai grattées avec le crayon en faisant l'effet cheveux. Mais en fait, j'aurais dû mettre le pochoir et puis mettre la peinture comme ça, mais c'était un peu compliqué en fait sur ce genre d'éléments. Genre un acarzone, si vous avez un cercle, vous le mettez, ça va. Mais là, bon, j'ai réussi, mais il y a un petit peu des écritures. Et comme c'est en relief, eh ben, on le voit un petit peu dans les cheveux. Moi, je le vois en tout cas. Enfin, je sais pas si vous le verrez. Mais bon, après, c'est léger, hein. J'ai bien, bien gratté et j'ai mis énormément de couches pour enlever toute l'écriture. Après, j'avais pas mis sur tout le visage, mais j'avais un peu débordé sur les cheveux. Donc voilà, ensuite j'ai fait avec mes stylos gel, j'ai essayé de reproduire un petit peu les dessins qu'il y avait sur le cahier de la petite fille. Ce qui est très dur parce que malgré que ce soit des jelly rolls, donc très fins, ça a été très très dur ben, c'est tout fin quoi. Donc voilà, mais globalement ça va. Faut regarder dans le détail, c'est pas forcément sur quoi on est attiré. Et puis après j'ai fait des petits détails là en rouge avec mon poli pour bien recouvrir l'écriture. Et il y a du stylo gel, du jelly roll. Ouais. C'est ça, c'est des nouveaux jelly roll. J'ai mis le cuivre et le blanc. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc c'est pour le thème de Laurine, toujours pour le backpack, pour l'effet vieilli. Et pour le livre. Vous voyez, j'ai inclus deux trucs dans le même colo. Donc, du coup, j'en ai fait un peu comme ça. Ensuite, on va passer au Carzone. Attends, hop, je vais en cacher un parce que là, on est samedi 3 et en fait, j'en ai terminé un le premier. Je vais vous montrer. Hop, je vais le cacher. Et donc, c'était le colo du mois de ben, juillet-août puisque j'ai mis sur 2 mois.
Donc, c'est la femme avec le crabe que j'ai totalement modifié. La vidéo, je suis en train de faire le montage. Je galère un peu. J'ai effacé tout. Vous savez, elle avait un collier avec des pattes de crabe que j'ai complètement effacé. J'ai fait comme si elle sortait de l'eau. D'ailleurs, de l'aquarelle, il faut que je le fixe, qui s'est un peu coulé là. Bref, donc j'ai voulu faire un effet comme si elle sortait de l'eau. Et donc, elle a les cheveux mouillés. Voilà, donc ça, je l'ai fait en vidéo avec l'image de référence. Et voilà, j'ai un petit peu modifié le fond. Je voulais une eau très foncée. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Et le ciel, j'ai voulu faire un ciel de nuit, donc je pense que j'en referai un parce que là c'est en fait j'ai inclus le thème de plume pour colorier la lune, même s'il n'était pas et c'est moi qui l'ai dessiné. Mais je pense que je vais en faire un autre parce que vraiment voilà. Donc j'ai utilisé mes polychromos pour le turquoise. Il y a du color, non pas color soft, pro color. Et polychromos pour les diamants et la peau luminance et cheveux polyluminance. Le fond tout à l'aquarelle, de l'encre PBO blanche et j'ai encore mis de la mon aquarelle que j'ai, pas mon aquarelle, mon encre pailletée turquoise, vert turquoise. C'est la Dallaronet, je crois que c'est ça la marque. Ouais, c'est ça. C'est la couleur vert cascade que j'aime trop. J'aime trop, trop. J'ai envie d'en prendre encore. Une ou deux comme ça, j'aimerais prendre un bleu foncé perlescent et un argenté parce que j'ai pas d'encre argenté en fait. Et voilà. Et du coup, j'aime beaucoup. Après, il y a beaucoup de cibles gel, blanc, tout ça. Alors, c'est pas le plus beau portrait que j'ai fait, mais j'en suis contente parce que vraiment, la fille de base là, avec ses cheveux comme ça, les grosses gouttes, le collet que j'aime pas, et finalement, j'aime bien. C'est pas le plus beau portrait, je vous dis. Parce qu'il a fallu cacher des choses. J'ai essayé de modifier un petit peu la forme du visage pour que ça soit cohérent avec la coupe de cheveux que je lui ai faite. J'ai rajouté les oreilles. Voilà, j'ai fait des rajouts. Et je suis pas trop douée pour ce genre de choses. J'aime pas quand je fais des rajouts. Je trouve que c'est trop. Mais au moins, il me plaît mieux. Et j'ai aussi enlevé la couronne. Parce que la couronne, en fait, elle est comme ça. Et il y a aussi plein d'étoiles. Là, il y a une espèce de collier de perles là, comme elle met dans les cheveux, et j'aimais pas. Je préférais qu'on voyait comme ça, comme si elle sortait de l'eau. Et donc, la page à côté, je l'ai terminée, mais je l'ai montrée pour le mois de septembre, puisque j'ai terminé le premier. Alors, pour le mois de septembre, donc du 10 septembre au 10 octobre, j'ai choisi le colo et je pense que je vais faire une heureuse, puisque ça fait un moment qu'elle me le demande en colo. C'est la licorne. Alors j'ai choisi la licorne parce que oh, pardon. J'avais envie de faire un thème enfantin, pardon. J'avais envie de faire un thème un petit peu enfantin qui rappelle un peu la rentrée scolaire, tout ça, avant de partir sur un thème un peu plus Halloween pour octobre. J'ai très envie de le faire en monochrome de rose pour le octobre rose du coup. Donc je sais déjà où je vais partir au niveau des couleurs et c'est une page que j'avais envie de faire mais je la visualisais pas et là j'ai très envie de la faire du coup. Donc ça sera pour le mois de septembre jusqu'à octobre et puis voilà que j'espère que vous serez nombreux à la faire, je la trouve super belle et elle n'est pas super compliquée parce que bon, il y a la licorne et le personnage, puis après il faut faire un joli fond. Donc, c'est pas un colo, je pense qu'il prendra beaucoup de temps pour une double page Anna Carson. Et puis le livre il commence vraiment à avancer, là je suis presque à la moitié. Et puis en plus, j'ai choisi ce colo parce que c'est à la fin du livre et j'ai envie d'avancer un petit peu ce côté-là. C'est vrai que je prends souvent les livres. Je prends les colos du début, mais c'est pas ce qui m'inspire hein, au moment de les faire. Mais j'ai bien envie de faire celle-ci. Donc, pour septembre. Voilà.
Et ensuite, mon dernier livre dans lequel je suis allée, c'est le Seasons. Alors, j'ai fait trois couloirs à l'intérieur, oh, deux et demi, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, j'ai fait trois colos. Donc, j'en ai fait d'abord, c'est pas dans l'ordre, hein, mais j'ai fait la page de titre. Je l'ai réalisée avec les collines pour tester un petit peu les combos. J'ai voulu faire en rose gold. J'ai également utilisé du stylo gel, toujours Sakura, le rose et un petit peu de Posca blanc, et tout le reste c'est du colline. J'ai pas voulu faire un fond parce que je l'aimais bien comme ça, et je suis contente parce que je l'ai fait en vacances avec ma copine, et voilà, j'en garde un petit bon souvenir, quoi. Donc très contente. Et puis je vois que je commence à réussir à faire l'effet rose gold. Alors, c'était un truc que j'avais très envie d'apprendre. Ensuite, j'ai réalisé ce colo que j'ai aussi, pardon, entièrement réalisé aux collines. J'avais envie de faire cette page-là pour... Ben, c'est bien pour tester les crayons, en fait, pour tester plusieurs combos et voir un petit peu comment les crayons fonctionnent. Donc, j'avais demandé sur Insta quel fond vous voyez. Alors, j'avais des propositions de fond noir, fond vert. J'ai aussi eu blanc nacré. Donc j'ai essayé de faire un mix. J'ai fait un fond vert que j'ai énormément foncé sur les côtés à l'aquarelle. Et puis j'ai mis un petit peu de nacré sur mon scarabée. Voilà. J'ai mis de l'interférence verte. Ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'il ne ressort pas suffisamment. J'ai oublié de dire que bon, moi je mets toujours de la gouache, donc on voit bien la différence qu'on peut avoir d'intensité, je trouve. Ça, c'est un colo qui date de il y a un an, et ça c'est aujourd'hui aux collines. Mais je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup donc mon fond. Voilà, le seul truc que je reproche, c'est que j'aurais dû le faire doré ou peut-être rouge ou une autre couleur pour qu'il pète encore plus le scarabée. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai utilisé quand même les collines, mais pas que. J'ai utilisé donc le drawing noir, j'ai utilisé le drawing blanc, polychromos noir. Mais ça, c'est toujours. J'utilise toujours ces crayons-là dans mes colos. C'est comme là qui sont team. Je vais arriver. Prismacolor blanc, mais moi je suis team drawing blanc et polychromos noir. Il y a aussi du Lumo Color dans les diamants. Je les ai également redessinés parce qu'ils étaient un peu trop carrés et je les ai fait un peu plus taillés. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait parce que c'est un effet que j'essaie de travailler les pierres. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé du stylo gel doré un petit peu dans les plumes, du Posca blanc un petit peu partout. J'ai aussi redessiné le papillon parce qu'il n'était pas du tout dans cette forme-là. Il ressemblait un petit peu plus à ça. Et là, je me suis servie de mon livre Les parures de la nature. Vous savez, les livres que Johanna a présentés également, où il y a les parures, les couleurs de la nature et parures de la nature, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. En fait, j'ai tout simplement allé à la page des papillons et je me suis... voilà, j'ai essayé de refaire celui-là. Donc c'est bien comme support, je vous dis, pour les insectes et tout comme ça. Franchement, le seul truc que je reproche, c'est qu'il n'est pas bien... comment dire? Oh, il n'est pas... Les ailes, je ne les ai pas tout à fait bien fait. Vous savez, les taches, quoi, dedans. Et ça, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, je vais faire une vidéo pour les collines pour en parler. Parce que je trouve que c'est des crayons qui méritent... une vidéo. Ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas assez de vidéos sur ces crayons. D'ailleurs, je remercie, il y a une abonnée qui m'a envoyé le nuancier et je l'ai fait et franchement, il est top. Parce qu'en fait, moi je vous dis, ils sont très mal rangés et tout, donc du coup, j'essaie de faire un nuancier, mais moi j'aime pas, et là j'en ai fait un. Donc, super bien. Vous voyez, je vais vous montrer les luminances. Je vais vous montrer les Prismacolor. Voilà. Voilà, j'ai beaucoup appuyé plus que d'habitude, mais
Mais vraiment, ils sont top. J'aime bien. Je vais vous faire une vidéo donc, dessus. J'ai un peu loupé mon nuancier. Là, j'avais loupé une couleur, mais le nuancier est pas mal quand même. Ça va. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand chose. Et je suis contente parce que c'est pas le, forcément le genre de page que j'aime bien. Mais pour tester une gamme de crayons et tester des combos pour voir un petit peu les couleurs, qu'est-ce qu'elles peuvent donner, bah, c'est super bien. Et ensuite, mon dernier colo du mois. Je regarde si. Non, c'est ça. C'est celui-ci. Alors, ça, je l'ai réalisé au mois de juillet. Et c'est, je crois, l'un de mes colos préférés de ces 2 mois. Parce que j'ai utilisé des couleurs que je n'utilise pas souvent, du jaune, du orange. Voilà. J'ai redessiné toute l'arrière parce que, en fait, normalement, dans ce colo, c'est un peu comme ça. Il y a juste une tige et 2 feuilles qui se courent après. Et j'ai voulu faire comme si c'était un parterre de fleurs, quoi. Donc, j'ai rajouté de la verdure. Avec mes crayons, j'ai utilisé Polychromos Luminance. Et je crois que c'est tout dans ce colo. Et pour le fond, un petit peu d'aquarelle jaune. Et donc, j'aime trop le type de fleurs que j'ai fait. Vraiment. Et là, en ce moment, j'utilise pas mal d'orange. Du coup, ça m'a un petit peu réconcilié avec cette couleur qui j'ai du mal à utiliser. Mais de plus en plus, je l'utilise. Et je l'aime trop. J'ai utilisé beaucoup de Posca blanc. Et je crois que c'est tout. Et je crois que j'ai utilisé Roll pour faire un petit peu les ailes des abeilles. D'ailleurs, on m'a fait remarquer qu'elle n'était pas du tout proportionnelle par rapport à la taille des fleurs. Mais bon, c'est Anna Carzon. Et je l'aime trop. Et je suis contente parce que là, mon season il avance. Je suis à 22 colos à l'intérieur. Alors, le côté été-printemps, il est super bien avancé. Mais le côté j'ai envie de vous dire automne-hiver, il n'est pas du tout avancé. Mais bon, c'est pas grave. Je suis contente. Ce mois-ci, j'ai un duo avec Clio. Je vais proposer parce que celle qui m'a un petit peu remotivée à aller dans ce livre. Et puis, je suis contente parce que tous les colos que j'ai fait à l'intérieur me plaisent. Donc voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser, je suis en vacances, donc je vais profiter de faire un peu plus de colos parce que ce mois-ci, ces 2 mois, juillet, août, j'ai pas beaucoup colorié, même si c'est pas la course au colo, ça m'embête un peu parce que ben, quand on a un certain rythme et que ben, on a le rythme cassé, on a l'impression de pas avancer et moi j'aime voir mes livres avancer. Notamment Magical Dawn où je suis pas allée, j'ai pas fait Disney, il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de faire et j'ai très envie d'aller. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo des coloriages terminée pour cet été vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Zombie but awake, 밤비가 내려wait. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려wait. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is love. 사랑을 갈구해 랩으로 빡치는 건 나 랩으로 얘기해 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 빌어러 간다고 느끼는 게 살아있단 거 날 더 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아서 누구에게 약이 되고 누구에겐 독 이런 얘기들은 쉿 뱀이 들어버렸네 밤에 들이부어져 얼간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네 배가 부르지 않게 배를 랩 허리 밴 허리 배 bust down rolling 향하러는 부족해 향하러는 부족하니까 난 손목에 내 또 내 목에 chain gang gang 하지 못할 일은 없으니까 가족에게 보여줄 일밖에 이젠 없으니까 hustle for the best I got no time for the bitches 랩을 못한 남은 내 노래마저도 give me get a money back back new click new whip Never put it back, payback, click, clack, bang. I'm walking like a zombie.